Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. C'est qui l'étranger ? Il a pas l'air d'un pillard, selon moi. Vite ! Prends l'air innocent ! Du calme. On ne veut pas créer d'ennui. Où est la cantina ? C'est par là, le nouveau. Ah, vous pouvez pas la rater. Qu'est-ce que tu veux ?
Non. Tu pensais pouvoir nous arnaquer. Non, c'était juste un tout petit malentendu, hein. Hey. Lâchez-le. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse! Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis! Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards là-haut. Tuez-le. Ah non ! Ça suffit. Partez. Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. C'est épuisant. Oh, les choses intéressantes. Laissez pour voir. Tu ne peux pas me toucher. Tout ce que... Bien joué. Impressionnant. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit. Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. N'oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Oh, Cal, je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. Et ces techniques de combat, incroyable. Où est-ce que t'as appris ça? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Mais tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours? Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh, mais dommage, dis que c'est ce que je fais le mieux. Hé là! Oh,
Regarde-moi donc cette Cage, en train de traîner dans l'ombre toute mystérieuse là. C'est pourquoi elle a décidé de porter un chapeau pareil. Ça fait ressembler sa tête à une assiette, tiens. Quoi ? Ah. Un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au pylon boire un coup et repasse vite nous faire coucou. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sers ? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, mon, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD. Ah. Attends. Oh, Cal. Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as une sale tronche? Content de te revoir aussi, Grise. Hey, tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le gyro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Un rafraîchissement. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pylon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne lui rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, Il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise ? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis ? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour So Guerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que... l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ces nouvelles récemment ? Meryn a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi ? Ah, grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis ? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol, que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Grise. Hey. Il doit pas y avoir beaucoup de clients par ici. Grise a toujours aimé les objets d'art excentriques. Bon, où est cette chambre, déjà ? La chambre ? Oh, gamin, tu vas l'adorer. Prends à droite après le bar, tu passes la cuisine, et c'est en bas des escaliers. Tu peux pas la rater. D'accord. Merci encore, Grise. Tu peux me remercier en allant faire un somme. T'as vraiment une mine affreuse. Va te reposer. On discutera plus tard. Tu travailles ici depuis longtemps ? Un certain temps, mais c'est pas ce que j'appelle du travail. Pour ça, il faudrait qu'on ait des clients réguliers. Dommage. Cet endroit a du potentiel.
C'est ce que j'arrête pas de me dire, l'ami. Mais bon. Pourquoi tu vas pas au sous-sol voir ta nouvelle chambre? On parlera quand tu te seras reposé. T'as pas l'air d'un pillard? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteille renversée, ni de cri de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Ça fait plaisir de te revoir. Passe ton chemin, petit. Ok, comme tu veux. Impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il y a un problème? Je jurerais t'avoir entendu t'occuper d'un problème de pillard juste là, dehors. J'ai pas provoqué cette bagarre. Visiblement, c'est toi qui l'as fini. J'adorerais taper la discute, mais je voudrais finir mon verre avant le prochain combat. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Bon, je retrouve de nouveaux amis. Je me lave juste les mains, mon pote. Je veux pas savoir comment c'est arrivé là. Gris aime pas la saleté. Ça le stresse. Si j'avais su que la famille allait venir, c'est le bazar ici. C'est vrai, mais tu trouves pas que c'est justement ce qui donne du caractère? Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Gris en profite pour faire de la récupération. Gris a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes ? Vieille tenue de ferrailleur. Pourquoi Gris a gardé ça? Ouais, c'est flippant. C'est l'heure de vérifier l'équipement. J'en suis plutôt fier. Ça devrait le faire. Plus facile que la première fois.
Il y a un nouveau look pour toi, BD. Mais... c'est la Big 7 de serré. Je me demande comment il a fini ici. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec Saw Gerrera t'attirer des ennuis? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est partis chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer. Mais... quel foyer, Grise? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux? Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Très bien. Viens, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et
Regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Bon, allez, trouvez ce Giro, dépêchez-vous, soyez prudents et toutes les petites choses que je vous disais déjà avant. T'inquiète, tout ira bien. Et toutes les autres formules toutes faites qu'on s'est déjà dites. Ah ouais, ouais, je sais que ça va aller. En tout cas, j'espère. Regarde où tu marches. Et par pitié, essaie de pas réveiller de rats, de fantômes ou de rats fantômes. J'aimerais bien éviter des problèmes pour une fois. J'ai pas nettoyé depuis longtemps. Alors bonne chance, petit gars. Ce n'est pas très rassurant. Comparé à ce que te demande Sceau, ce sera une promenade de santé. Vieux tunnel clandestin, hein? Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. D'accord, d'accord. Je regarde. Oh. Aïe. Des Boglings. C'est eux qui ont effrayé Grise? Tout va bien, mon pote. Tu fiches la frousse à Grise quand il descend ici? Hé, hey, salut, toi. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Poussiéreux et abandonné. Encore de la ferraille, hein? C'est bien Grise, ça. Récupérer des trucs de quelqu'un et y rajouter d'autres trucs.
Ça ne bouge pas. C'est ça ? Jamais réfléchir avant de sauter, hein? Plus vite on trouvera Grise, plus vite on... On devrait aller voir ça. Prêt à partir. Ça me rappelle presque le terrain d'entraînement des Jedi, mais différent, plus ancien. Quoi, cet endroit ? Il y a toujours du courant ici. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière ? Qu'est-ce que c'est ? Pas mal. Tu crois qu'on peut marcher là-dessus ? Attention, BD. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, Maître Cri. Désolé d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée ? Non.
Uniquement ce que le Conseil souhaitait. Alors, je me souviendrai de vous. Je suis prête. Quel est ton nom, droïde? Je suis ZNA4, bien sûr. Comment puis-je servir l'ordre? Z. Dis-moi comment traverser la bise de Kobo. Mes banques mémorielles ne contiennent aucune information à ce sujet. Maître Cree, vous savez que la République a ordonné une évacuation générale. En effet. C'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier, Z. Prends ça. Un syntoniseur? Quel magnifique modèle! Oh là là! Certain, pour activer le complexe de la forêt. Voyage par les souterrains sans t'arrêter, c'est un ordre, Z. Je ne vais pas avec vous? Non. La clé de Tanalore se trouve dans ce complexe. Si tu ne te presses pas, je crains qu'elle ne soit perdue à jamais. Que la Force soit avec toi. On dirait que ce droïde est là depuis plusieurs siècles. Bonjour. Bonsoir. Quelque chose ne va pas? Tu t'appelles Z? Oui, c'est ça. Comment vas-tu? Oh, non! Je suis prise au piège. Je suis prise au piège depuis... Depuis combien de temps? Moi, c'est Cal, et voici BD. On va t'aider. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre aide ne serait pas de refus. Non, pas tant que ça, Z. Je suis bien un Jedi. Mais tu ne portes même pas de tunique de Jedi? Je suis plutôt branché, Poncho. Utilise les orbes pour activer le pont. Ensuite, tu pourras atteindre les commandes de la grue. Enfin, je crois. Après tellement d'années d'inactivité, qui sait ce qui peut arriver? Je crois que ce droïde a pété un boulon. Je te demande pardon? Je disais... Tiens bon, Zed. Bientôt libre, celle. Prends ton temps. Cela fait seulement un moment que je suis coincée ici. Ton nom ne figure pas dans mes banques de données. Quoi, as-tu passé les épreuves? Je les ai jamais passées. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Et quelle fut la raison de cette violation flagrante du protocole? C'est une longue histoire. Oh,
tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé. Oh, oh, bah maintenant, tiens encore un peu. Je peux jeter un œil? Eh bien, je dois admettre que j'ai besoin de réparation. Alors, Zed, c'est quoi, Tanalor? Une planète, cachée au cœur de la bise de Kobo. Elle abrite un temple Jedi. Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Du moins, c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Tanalor. Ça devrait tenir le coup. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien, je peux peut-être aider. Est-ce par ici ou par là? Non. Oh! Oui, c'est par là. Suis-moi. Oh! Je vois où nous en sommes à présent. Une salle de méditation. Maître Kree les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça, mais je ne me rappelle pas à quoi cela sert. Maître Kree était d'un esprit brillant. Tu la connais, Cal? Pas vraiment. Peu importe, mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. La sortie est par là. J'ai beaucoup de chance, tu es arrivé au bon moment. Oui, t'aurais vraiment pu rester ici pour toujours. Zed, cette planète dont tu parlais, elle ressemble à quoi? Tanalor? Oh, quel endroit merveilleux! Comment j'y accède? En traversant l'abysse de Kobo. Ton maître a dû effacer ces informations de tes banques de mémoire. Eh bien, elle devait avoir ses raisons. Tu n'es pas seul. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez, viens. Je te rejoins dans un instant, Cal. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Oh, quelles étranges constructions! Oh, tiens! Qu'est-ce donc? Dites, les gars, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Trop longtemps. On était les premiers ici, et on a essayé de chercher de la priorité. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. On trouvait rien. Et je me suis rappelé que je détestais l'extérieur. Et j'ai chopé un coup de soleil sur mon gastroderme. Pas la joie. Puis, j'ai vu le prospecteur le plus pathétique et le plus empoté qui ait foulé cette terre. Rumsey Forlo. Moi aussi. Bien sûr, on a commencé à se moquer de Rumsey l'abruti. Je rigolais aux blagues de Gulu. Et moi, celle de Guido. Et on est restés ensemble depuis. Parce qu'on avait quelque chose en commun. Rumsey était un tocard. Ça me fait toujours marrer. Salut, le trouble-fête. À plus. Je suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Cal Kestis. Quel qui ça? Écoute, mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais de cantina. Moi, je connais personne du nom de Cal Kestis. Hé, Grise. Non, ce Cal Kestis. J'ai mon Giro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Grise Dritus, voici Baudakuna.
Il était sur Coruscant. Sans lui, je m'en serais pas sorti vivant. Ah, je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement, j'ai plus le moindre livre disponible. Non, mais attends. Un autre encore? Oh, Cal, t'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis ZNA4, au service de l'Ordre Jedi. Oh, personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédits? Des crédits? Bon! Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tanalore sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tanalore? Tu connais? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors! Et à en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un œil? Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter, je surveillerai tes arrières. Oh, il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air? Après Serré, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal! Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt! En avant! Zed? Hola! Du calme, l'Antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi. Je vais te rapistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Hé, hey Cal, je vais fermer le saloon pour que les pillards le saccagent pas. Tu passeras par derrière, ok? Jusqu'aux dents et avec des droïdes de combat piratés. Toujours se laver les mains. Comment va Kobo? C'est un bon endroit pour se reposer. J'ai été obligé de partir loin de l'Empire, de la nuée d'action, d'éviter les ennuis, quoi. Les problèmes nous retrouvent toujours, Grise. Tu ne l'as toujours pas compris? Ah, sans blague! Tout comme ce vieux droïde, hein? Tu penses que Zed est un problème? Tu rigoles ou quoi? Elle détonne comme un pot pourri au milieu d'une course de modules. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois trop pointilleux. Si tu rencontres d'autres âmes perdues à l'histoire tragique, envoie-les au Pailoun, t'as compris? Oh, ça ferait pas de mal à cet endroit. Je me demande si Kobo aura des légendes à mon sujet. Je devrais peut-être répandre quelques rumeurs. Vas-y, je dois faire un peu connaissance avec lui. Content de voir que tu t'en es tiré, Cal. Alors, comment ça a fini? Bravo est mort. Je m'en doutais. Je suis désolé, Cal. Je sais que tu tenais beaucoup à lui. C'était un bon ami. Ils l'étaient tous. Ils vont me manquer. C'était pas une équipe classique, c'est sûr. Je l'ai tout de suite su. Oui. Gabs, bravo. Les jumeaux. On était proches. Je comprends. Mais... souviens-toi que t'es pas tout seul. Content que tu sois là, Baud. Je te couvre, mon frère. Merci d'avoir veillé sur Grise pendant que je suivais cette piste. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Ou alors, on a plus d'ennuis. Ouh, j'ai hâte. Garde un œil sur Grise pour moi, d'accord? T'en fais pas, Cal. Occupe-toi du mystère dans la forêt. Je me charge de Grise.
Tu te charges du complexe, quoi que ce soit. Nous, on s'occupe du Mantis. Alors, t'as trouvé de la ferraille utilisable ? Des tonnes. Dès qu'un truc casse ou que les pillards se pointent, les gens renoncent à tous leurs projets. Donc, Kobo est une mine d'or pour des ferrailleurs comme nous. Ça, c'est bien vrai. Kobo est une grande planète. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui pense comme moi. Drôle de tas de boulons que tu as ramené là. En fait, c'est un droïde de la Haute République. Je m'en fous. Allez, dégage. Je comprends pourquoi tu es seul. Dis-moi, barman, où est ce bain d'huile dont tu parlais ? Ça arrive, l'Antiquité. Mais quelque chose me dit que cette tu apprécieras scène a vu des jours meilleurs. Accroche-toi bien. J'ai peur que cette mise à jour soit difficile à intégrer. T'as ramené ce droïde ? Tu l'as sauvé, elle aussi ? Je l'ai aidé à se remettre sur pied. Et il ne demande rien en retour. Eh ben, elle m'a laissé garder son syntoniseur. Oh, un synton... Quoi ? Hein ? T'en as trouvé un vrai ? Exactement. Tu crois que je pourrais peut-être... Je te laisserai pas l'emprunter, Torgel. Ah ! Salut, Cal ! Dis-moi, l'Antiquité, les batteries sont faibles. Et si on faisait une pause pour que tu finis tout ça ? C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Cal. Moran. Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Cal. Écoute. Peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pillards du chaos, ou peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Compris ? Barre-toi tant que tu peux. Je prends note. Et une autre fois. C'est le portail dont nous parlait Zed. Ça ne veut pas s'ouvrir. Laisse-moi deviner, d'autres équipements de fouille ? Est-ce que tout le monde sur Kobo cherche des bouts de ferraille ? Thank you.
C'est verrouillé. Huh?